C'est le paparazzi qui fait la star et pas l'inverse. On est où là? Mais si on savait, on serait pas perdu. Si ça se trouve, c'est Franck Michael. Je me suis levé à 6h du mat pour paparazzer Franck Michael. Fais-moi confiance. Pardon? Il arrive en quatrième position des termes les plus recherchés sur Internet chez les plus de 70 ans. C'est ça, oui. Et les trois premiers, c'est quoi? Cystite, Alzheimer, cystite. Je te préviens, si t'as l'intention de me faire le coup de la panne, t'es pas du tout mon genre. Qu'est-ce que tu me réponds? Mais qu'on fait notre boulot. Y'a pas ça là que tu te trompes. Vous aussi, vous êtes reporter de guerre. J'ai compris, on n'est pas dans la bonne direction, on aurait dû prendre à droite à l'embranchement. On a pris à droite à l'embranchement. Pourquoi tu parles tout doucement comme ça? Des fois qu'on sera sur l'écoute. Sur quoi? En fait, on aurait dû prendre à gauche à l'embranchement. On a pris à gauche aussi à l'embranchement. Des fois qu'on sera sur l'écoute. Sur quoi? Sur écoute. Mais quelle croûte? Sur écoute. Ou alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, je commence par laquelle? N'importe, de toute façon, je te casserai la gueule. Vous êtes médecin? Non, on n'est pas paradis. On est des papas. Et médecin. Des papas diatres. Je suis bloqué dans le trou de cul du monde avec le trou de cul du siècle. Dis donc, qui c'est qui a photographié un parking vélo en faisant croire que c'était le cul de Paris Hilton? Tu te fous de ma gueule? Oui. Dites, faut pas faire caca sur la banquette, hein, c'est du cuir. Pardon? C'est un cancer du pancréas. Ah ben vous avez de la chance. Parce que c'est ceux qui se soignent le mieux. C'est le pire. Laisse tomber. Tout ce que t'as à retenir, c'est je viens de la part de Massimo. Ok? Tu prends des photos et tu reviens. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Schweitzer? J'ai jamais pensé à te faire lobotomiser. Planqué derrière la foule, en embuscade, personne ne nous voit. Ah non, ça c'est sûr que personne ne nous voit, non? Ah, tu vois? Enfin, en même temps, comme on voit personne non plus. Alors ça, c'est déjà très bon signe parce que Mireille, c'est très bon pour la santé comme prénom. Qu'est-ce que t'as dit, hein? Tu parles comme le père Fouras, je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? Mais le portier à l'entrée, il parle pas un mot de français. English only. Alors, tout je viens de la part de Massimo, c'est comme si je lui disais je reprendrais bien des boulettes. Dis donc. Ah bah alors t'as qu'à lui dire en anglais. Mais je t'ai dit en anglais. I come from the part of Massimo. T'aurais préféré qu'on se plante dans la culotte d'Ariane Massenet? C'est amusant. Comment tu dis Sharon Stone au Richard Gere? Sharon Stone and Richard Gere? Je connais pas. C'est quand même vachement transparent pour des vitres teintées, hein. Mais vu de l'intérieur, c'est normal. Sinon, ce serait dangereux pour conduire. Tenter d'apercevoir un dessin de Monica Bellucci. Elle dessine, Monica Bellucci? Tu prends des médicaments ou un truc? Tu prends des trucs en ce moment? Oh, la vache. Ou une vache? La poule, là-bas. Une poule, une vache? Il vous a dit, non, qu'il était en contact permanent avec les Américains depuis qu'il avait sauvé le soldat Ryan? Dis donc. Tu sais, laisse tomber. On est dans le n'importe quoi, hein.